Un bel bonjour la Guyane, bonjour à vous, heureux de vous retrouver. Mais oui, comme chaque jour, vous le savez, il y a ce rendez-vous où nous accueillons mais notamment des jeunes talentueux, des acteurs de la vie culturelle, de la vie tout simplement économique même du pays Guyane, puisqu'à travers leur manière de faire, mais c'est un rayonnement pour la Guyane. Et c'est le cas de Rebecca Reni, jeune et talentueuse danseuse, s'il vous plaît, installée en métropole depuis quelques années maintenant. Elle est de retour en Guyane pour faire découvrir son art, partager avec des jeunes et des moins jeunes. Rebecca Reni, bonjour. Bonjour Tano. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors depuis quelques temps maintenant, tu as créé Bandidas. Qu'est-ce que Bandidas au fait? Alors Bandidas, c'est un groupe créé par quatre jeunes filles, ouais. Cynthia, Sacha, Farah et moi-même. Mm-hmm. Voilà, Bandidas, c'est des comparses pour faire les 400 coups. Ouais. Donc les 400 coups dans l'art et voilà. 400 coups dans l'art, c'est quand même pas mal. Alors c'est vrai que la passion de la danse chez toi, ça a démarré très tôt je crois. Oui. Ouais. Les fêtes de famille, je faisais les petits spectacles, je prenais les cousins et ouais. Spectacles pour Noël, les baptêmes. Mmh. Alors au départ, après... c'était vraiment parce que tu aimais ça, mais tu pensais déjà en faire ton métier parce qu'aujourd'hui tu es quand même danseuse professionnelle. Oui, très tôt, hein, je voulais en faire mon métier, ouais. Mais bon, on me disait que c'était pas un métier, donc j'ai fait des études de droit, finalisé le droit, ouais. Et à 25 ans. Voilà, j'ai cru en mon projet malgré tout et voilà. Voilà, d'où la création donc de Bandidas. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.